Bonsoir et bienvenue. Voici les articles parus ce jour sur le site internet media241.com. Politique. Le président de la République Ali Bongo Ondimba a participé ce jeudi 20 août 2020 à la réunion du bureau de l'Union africaine avec des présidents des communautés économiques régionales CER et de l'Union africaine. En économie, favorable à la digitalisation, le Gabon veut connecter le pays à moindre coût. Dans le secteur du tourisme, ce sont 120 entreprises qui risquent d'être déconnectées si rien n'est fait, a déclaré le ministre de Tourisme, Pascal Ouani Ombouroué, à l'endroit des acteurs du secteur du tourisme. L'éducation est marquée ce vendredi avec l'appel de l'OMS et de l'UNICEF qui exhorte les pays africains à rouvrir les écoles. Au Gabon, Sylvia Bongo offre 210 500 masques aux candidats du baccalauréat 2020. Mauvaise nouvelle pour les populations de Bombochine, les travaux de réhabilitation de la route s'arrêtent après quelques semaines. Enfin santé, plus de 80% des cas guéris de la Covid-19, soit 8319 personnes déclarées positives et 6614 guéris. C'est ensemble que nous vaincrons la maladie. Petit rappel des gestes barrières, toussez dans votre coude, respectez la distanciation sociale, portez votre masque à tout moment, à chaque instant, portez votre masque, oui, c'est obligatoire. Et surtout, lavez-vous régulièrement des mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un gel hydroalcoolique. Bon week-end et à lundi pour un nouveau numéro.